tous et bienvenue dans le sud de la France, à Marseille. Ici, il faut se lever tôt car la pétanque n'attend pas dans les calanques. En ce moment, c'est le printemps, il fait 15 degrés, alors rien de tel pour consacrer une journée à la pétanque. Je vous emmène donc dans un coin paradisiaque où la mer s'est invitée à notre partie. En plus, il est l'heure pour ma part de rencontrer Gaëtan, un professionnel de la pétanque. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Alors, moi je voulais quand même savoir, d'où te vient cette passion pour la pétanque? Pourquoi la pétanque? Beaucoup de choses. Tout d'abord, ce que j'aime bien à la pétanque, c'est qu'il faut être concentré, ouais. Faut de la précision. Et j'aime bien aussi cet aspect stratégique. Tu sais, à chaque partie est différente. Et l'aspect convivial aussi. Les règles de la pétanque, c'est quoi? Écoute, c'est simple. Il faut juste mettre sa boule le plus près du cochonnet. Pas seulement ça, il faut un terrain. Bien sûr, tu peux jouer sur un parking, au camping, mais l'idéal, c'est de jouer sur un boulodrome. Bah écoute, justement, alors on est deux, comment ça se passe à partir de deux joueurs? Alors, là, on va jouer en tête-à-tête. Ouais. C'est à trois boules. Ouais. Voilà. On peut jouer aussi en doublette, où là, c'est en deux contre deux, toujours à trois boules. Et tu peux jouer aussi en triplette, où là, c'est trois contre trois, mais par contre, c'est à deux boules. Bon alors, Gaëtan, ça y est, c'est le moment de jouer. J'ai tracé un cercle. Ouais, que tu as dessiné, donc. D'un diamètre d'à peu près 50 cm. Ouais. Allez, vas-y. Donc, je lance le cochonnet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le lancer entre 6 et 10 mètres. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est à noter. Bon, alors, je vais tenter une roulade. Et bien dans le cercle. Et dans le cercle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je dépasse le cercle? C'est annulé. C'est annulé. Ouais. Bon, on va éviter ça. Donc là, maintenant, ça va être à moi de jouer. D'accord. De passer ta boule. OK. C'est à l'équipe adverse de passer la boule. Waouh. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, j'ai repris le point. Ça va être à toi de jouer. Gaëtan, je te propose qu'on aille voir les points. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Alors, explique-nous tout ça. Écoute, comme tu peux voir, là, c'est mes boules. J'ai trois points. Là, c'est les lisses. Ça, c'est les striés. Donc, t'es quand même assez éloigné. Hein. Écoute, je démarre. Je démarre, mais je vais y arriver. Crois-moi. Hein. Ouais. De toute façon, c'est pas fini. Hein. Pourquoi? Bah, faut arriver jusqu'à 13. Ah bon? Et après 13, ça y est. Et on a gagné. Et après, c'est fini. Donc là, voilà. Mais là, on va recommencer une main. Et voilà, une partie qui s'achève. Merci Gaëtan, 13 à 2. C'est quand même pas mal comme score. C'est pas mal. Oui, eh bien je te remercie en tout cas pour tes conseils. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon.